Good morning, allez, Iden et tu seras aujourd'hui les refouat, Rav Baruch Shmuel, Ben Elabetor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions le Sechet Megillah, Père Gimel, Mishnah, Hey. Ba Pesach Korin ve Parashat Moadot, Shal Torat Kohanim. Ba Tseret, Shiva Shavuot. Be Rosh Hashanah, Ba Chodesh Hashvi, Be Echad Lachodesh. Be Yom HaKippurim, Acharei Mot. Be Yom Tov Rishon, Shel Chag. Corinne beparashat mo'adot shebetorat kohanim. Ou bishar kolimot achag, bekorbanot achag. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait parlé des quatre parashiot à lire à des Shabbatot particuliers, à l'approche de Purim et jusqu'à Pessah. On va découvrir à présent, dans les deux prochaines Mishnayot, en fait celle-ci et la prochaine, les séquences de la Torah à lire, les parashiot de la Torah à lire à chaque occasion, à chaque chag. En l'occurrence, Ba Pessah, à Pessah, eh bien, Corinne, mais Parashat, attention, j'ai introduit juste qu'on va découvrir qu'on va évoquer des parachiotes. Aujourd'hui, on n'a pas exactement les mêmes minagim, on a quelques petites différences. Je ne sais pas d'où c'est venu précisément, je crois que j'avais déjà vu une fois, mais j'ai oublié. Et donc, on a plus ou moins les mêmes traditions, mais on a quand même changé quelques petites choses, comme ce qu'on va voir tout de suite. Ba Pessah, Corinne, mais Parashat, Moadot. Shal Torah Kohanim. Tout d'abord, alors on commence avec Pessah, c'est la première fête de l'année, puisque le calendrier commence au Nissan, en calendrier des fêtes. Alors, on lit la Parashat Moadot, Shal Torah Kohanim. Torah Kohanim, quand on dit Torah Kohanim, ça veut dire le livre de Vaikra. Il y a là-bas la Parashat Moadot, c'est dans la Parashat de Emor. On a là-bas, on commence avec Shor Chesev Oez qui va l'aide, et on va ensuite évoquer toutes les fêtes juives à commencer. Elles vont toutes y passer. On va commencer, c'est dans l'ordre logique. Depuis Pessah, après la mise du Homer, après la mise de Shavuot, après Rosh Hashanah, après on va évoquer très rapidement Yom Kippour. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs ça va être nécessaire pour la suite. Yom Kippour, puis après Yom Kippour on va passer à Sukkot. Et maintenant par rapport à Yom Kippour, c'est évoqué très succinctement ici, parce qu'en réalité, là il y a une parasha qui rallonge déjà beaucoup sur Yom Kippour, c'est la parasha de Acharei Mot, deux parashiot en arrière. Il y avait dans Acharei Mot, c'est justement tout le rituel à faire pour Yom Kippour. Donc à Yom Kippour, du coup, on va lire le rituel de Acharei Mot. Mais pour toutes les autres fêtes, en général, vous verrez toujours qu'on va lire dans cette séquence, soit tout, soit partiellement. Il y a aussi, il faut savoir quand même qu'il y a deux séquences dans la Torah, où on parle des korbanot, des fêtes. Il y a ici, donc dans Parashat Emor, comme ce qu'on a dit, il y a ce qu'on a évoqué à l'instant, où là-bas, on met plus l'accent sur les mitzvot particulières à faire au Beit HaMikdash. Et puis, il y a par ça, dans Parashat Pinchas, là, Parashat des Moussafin. En général, à notre époque, on sort deux Sefer Torah des jours de fête, et puis on va lire dans la première parasha, dans le premier Sefer Torah, on va lire une parasha relativement longue en rapport avec tous les jours de fête, et puis après on va lire après le Korban Moussaf spécifiquement dans la parasha de Pinchas, comme ça on enchaîne sur la Tfila de Moussaf. Ça c'est notre usage. Apparemment, à l'époque, ils sortaient qu'un seul Sefer Torah, vraisemblablement. Et donc on a dit, à Pessah, il lisait toute la parasha des Moadot de Torah de Kodim, c'est-à-dire du livre de Vaikra. Ba'at Seret, qui correspond à Shavuot, eh bien on lit Shiv'un Shavuot. On lit, alors, tel que c'est rapporté ici, tel que ça a l'air en tout cas, c'est qu'on lit la parasha de Shiv'un Shavuot, c'est-à-dire dans la parasha de Torah de Kodim, où on parle des fêtes, on lit là-bas la séquence qui démarre par Shiv'un Shavuot, Tisporlach, Me'achel Chermesh Bakama, Me'achel Chermesh Bakama, on parle de, tu compteras cette semaine, puis après tu savoureras Shavuot. Il y a le Tiferet Israël qui dit qu'en réalité, non, pas du tout. Il faut lire toute la paracha depuis Shor Chesavoez, et même jusqu'à cette partie-là qui parle de Shiva Shavuot. Nous, concrètement, on n'a pas l'usage de... Je vous fais un petit résumé du Bertenor, en fait. On a l'usage à Shavuot, on lit essentiellement la paracha de Bachodash Hashelevi Hashlishi. Et ça devait Nisra de Mérezirem, Baumidbar Sinai, Baissou Marfidim, Baichanou, et Bamidbar. Et là-bas, on évoque ensuite, on va faire tout le Mamad Arsinaï, toute la préparation. On lit le Mamad Arsinaï à Shavuot. Bon. Ça, c'est pas mentionné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il faut lire une paracha des Moadot. Et nous, on lit la paracha comme paracha des Moadot, on lit juste pour le Maftir, on va lire la paracha de Pinchas. Berosh Hashanah, on lit Bachodesh, Ashvi'i, Bechad Lachodesh. Alors là, de nouveau, à Rosh Hashanah, il faut lire le Bachodesh, Ashvi'i, Bechad Lachodesh, le septième mois, le premier du jour. C'est donc dans la paracha de Shor Chesev Oez, de nouveau de paracha Temor, et là aussi, nous n'avons pas l'usage de procéder ainsi. Nous, on fait à Rosh Hashanah, puisqu'il y a eu à Rosh Hashanah la naissance de Yitzhak, on lit Vashem Pakad et Tzara pour le premier jour, et le deuxième jour,
pour qu'Hachem se souvienne de la Akedat Yitzhak et nous écrive dans le livre de la vie, alors on lit la parasha de la Akedat Yitzhak le deuxième jour. Ensuite, Beyom Kippourim Acharemot, là c'est comme notre usage, ce qu'on a dit tout à l'heure, que Yom Kippour, on lit la parasha de Acharemot, où là-bas on évoque tout le rituel, Bezot Yavar Nakodesh, Bepar Benakar, Echatat, Vaide Ola, et après, au moment de la date de Israël, les cartes chez Seirim, avec le Goral Azazel, et tout ça. Beyom Tov Rishon Shel Chag, le premier jour de Chag, quand il y a écrit Chag dans la Mishnah, ça veut dire c'est Sukkot. Eh bien, Korin ve Parashat Moadot chez Betorat Konim, de nouveau. On va faire comme à Pessah, on va lire la parasha des Moadot, la parasha qui parle des fêtes, qui est dans le Torah de Koyim, donc dans le livre de Vaïkra, au Chesev Oez. Ça, c'est pour le premier jour. Ou Bishar Kolimot Echag, Bekorbonot Echag, tandis que pour les autres jours de la fête, eh bien, on lira les parashas, la parasha des Korbanot de la fête. Le premier jour, le deuxième jour, c'est tout ce qu'il fallait faire. Ça se trouve, là, ça se passe dans la parasha Pinchas, ou. Non, je ne sais pas. Pinchas, je ne sais plus, j'ai un petit trou. Est-ce qu'on lit, donc en tout cas, on mentionne chaque jour de Corban, comment est-ce qu'on apportait les Shivim Parim, on commençait avec les 13, 12, 11, 10, on les faisait diminuer, les pas pour les taureaux, il y avait les 14 Elim, d'accord? Ça c'est pour Sukkot, et ça, comme ça on a aussi l'usage d'un peu aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.